Le premier livre de la collection Tabou que j'ai lu s'appelait Le Placard. Je l'ai trouvé dans la bibliothèque de mon quartier et j'étais intéressée parce que la collection s'appelait Tabou et je savais très bien c'était quoi un tabou. Je voulais en lire plus sur le sujet et quand j'ai appris en plus que c'était sur l'homosexualité, ça m'a encore plus intéressée. Lorsque je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il était extrêmement bien écrit, qu'il parlait très bien des sentiments qu'on pouvait éprouver quand on vivait une situation de coming out. Donc, c'est le premier livre que j'ai lu et c'est le livre qui m'a introduit à la collection Tabou. J'ai fait une dépression majeure dans mon enfance qui a été accompagnée par beaucoup, beaucoup d'autres choses telles que la boulimie, l'anorexie, l'automutilation. J'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes dans ce genre-là. Quand j'ai lu les livres, les écrivains ont su mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Ça a été un choc de lire ça, parce que je me suis dit, c'est moi, c'est tout à fait moi. C'est un moi avec un autre nom, c'est pas moi dans le livre, mais c'est exactement mon histoire. À travers certaines choses, quand je croyais être en train de retomber en dépression, j'ai pu lire ces histoires et me dire, t'es passé au travers de ça, ils sont passés au travers de ça, tu peux le faire encore une fois. Tu peux ne pas retomber en dépression. J'aime la collection Tabou parce que c'est des sujets réels qui touchent beaucoup d'adolescents de nos jours et même des jeunes adultes.